have you ever met the bogeyman before? No, of course you haven't, for you're much too good, I'm sure. Don't you be... Donc bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de BioShock 2. Donc nous revoilà dans Rapture, un Rapture qui a subi après 10 années de laisser aller des fuites. Donc en 10 ans, ça c'est... L'environnement de Rapture s'est très très dégradé, tout était à l'abandon. Donc dans BioShock 1, c'était dégradé, maintenant c'est encore plus dégradé, il y a des fuites partout, tout menace de s'effondrer, et en plus... Les mutants, il y a des mutants, à force d'absorber cette foutue drogue qui est, je crois que c'est là-dedans, je m'en souviens plus très bien, ils ont muté. Donc on va continuer, je crois que pour reprendre le train, il faut secourir, je ne sais plus combien de petites sœurs, attendez. Ok, donc ça c'est pour s'accroupir, mais non. Attendez. On va avancer, on fonce dans le tas, même si on ne sait pas trop comment faire. Donc le problème, c'est ça. Si on ne joue pas régulièrement dans BioShock 2, ou à tout autre jeu, bien sûr, on perd les automatismes. Je ne sais pas ce que je fais... Tout est en train de prendre l'eau. Aux alentours, donc on va faire très attention. J'ai toujours un problème de visée, hein. C'est chiant par moment. Et il se déblaye. Essaie de pas brûler les objets de valeur. Il se déplace extrêmement vite. Métallique, tu vas finir en scorie. Il s'est rudement efficace, ceux-là. À chaque coup, ils se font tromper.
Qu'est-ce qu'il a lancé? Regardez, c'est horrible. Ce bruit, il y a un protecteur quelque part avec une petite sœur. Audrey, Michel, Peter, Thomas, William, Joseph... Non. Ah, attrape-la. J'espère que son garde du corps n'est pas une de tes vieilles connaissances. Je ne sais pas, c'est toujours embêtant de se frotter à un protecteur. Hypnose. Est-ce que ça va marcher sur le protecteur ? Un petit mot sur les graphismes, donc c'est vrai que c'est pas très joli. Pas très joli, donc le moteur graphique n'a pas beaucoup évolué. C'est toujours celui de BioShock qui datait de 2007, je crois. Où je suis là?
Là, je reviens sur mes pas, attendez. Ah voilà, c'est ce que je cherchais, M. Heureusement que j'ai mis le niveau en facile. Parce que je vous dis pas, en commençant le jeu, j'ai mis niveau difficile. Je me suis très rapidement aperçu que c'était. Fallait avoir un sacré niveau déjà. Fallait déjà terminer le jeu en facile pour pouvoir prétendre à après élever le niveau parce que j'étais complètement perdu. Putain, je reviens sur mes pas, c'est pas possible. Si tu crois que c'est pour moi que je récolte la dent, tu te trompes, Delta. Eleanor est notre rêve. Un rêve qui n'a pas besoin d'armes, ni de tours de passe-passe. Ah voilà. Et où est-ce qu'il est ce ce protecteur? Oh merde! J'ai complètement oublié cette caméra. Va prendre de seringue, très bien. Bah où est-ce qu'il est ce con? Ah là-bas. Me coincer ce con. J'ai toujours eu des problèmes avec le pass Bioshock, mais le Bioshock en général, des combats. J'ai du mal à m'y faire. C'est trop rapide.
J'ai plus que la foreuse. On s'en fiche. Je suis revenu au point de départ. Bien joué. Lamb essaie de prendre le contrôle de la ville en soutenant les artistes bohèmes du coin, les grands penseurs, tous ceux qui pourraient dénigrer Ryan dans leurs œuvres. Et tout est exposé ici, dans les galeries du parc, ouvertes au grand public. Lamb ne fait même pas payer l'entrée. Et à Rapture, c'est plutôt culotté. Imaginez un camp de naturistes où tout le monde ne porterait que le haut de forme. Ah. Bientôt, les sbires de Ryan vont intervenir. Et je pourrais enfin respirer. Qui c'est cela ? Ah, je les laisse entretuer, il me fait un coup de vache. Ça y est, je l'ai. Non, je n'y crois pas. Qu'est-ce que j'avais fait au début ? Je les avais adoptés ou je les avais tués ? Allez, on va les adopter. Le problème, c'est que si je les adopte... Allez, tant pis. Papa, la dent que tu as trouvée contient les souvenirs de tous ces cadavres. Normalement, seules les petites sœurs peuvent les voir. Mais je peux te montrer ce que veut cacher Stanley.
Lorsque maman a été arrêtée, c'est Stanley qui a pris la direction du parc Dionysos. Il a dépensé tout son argent en réception démente. C'était comme s'il essayait de la ruiner. Tout va bien? S'agirait pas de perdre le nord, l'ami. Trouve-moi les autres gamines. Delta, c'est rien qu'un numéro de série. J'ai fait pas mal de recherches sur toi pour un article. Pierre-Roland Clume, qu'on t'appelait. On disait que t'avais trouvé la ville tout seul dans une cloche à plongeurs. C'est ignoble ce qu'ils t'ont fait. Oui, pas la grande sœur. Oh non, pas la grande sœur, pitié. Conscience de soi n'a rien d'un miracle, Eleanor. C'est un tour de passe-passe de tes gènes, une litanie intérieure sans fin. Qu'est-ce que j'y gagne? Pour servir le monde, nous devons apprendre à ne plus écouter le moi. Tu es prête? Maintenant, arrête d'écouter ma voix. Arrête de m'écouter. Arrête. C'est difficile, n'est-ce pas? La parole n'est qu'un maquillage. Un camouflage qui trompe ton analyse. Écoute cet enregistrement jusqu'à ce que tu n'entendes plus les mots. Alors, peut-être tu verras les gens sous leur vrai jour. J'ai pas de munitions, ça recommence. Ça recommence, je... C'est un calvaire, ce jauge, c'est un calvaire. Vraiment, c'est... Donc si j'aurais rapidement abandonné, si je voulais finir ce jeu, je voulais absolument finir ce jeu, mais c'est vraiment... c'est pénible. C'est pénible, pénible, pénible. C'est ce manque de munitions. J'ai pris des cartouches. Je sais même pas si j'ai un fusil à pompe.
Connor et moi. C'est un scandale! Un scandale, je vous dis! J'ai aucune munition. C'est le problème dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de munitions récoltées. Et j'ai des adversaires quasi invincibles. J'ai du mal. Je crois que je vais m'arrêter là. Je ne sais pas si je vais reprendre. En tout cas pour ce jeu, parce que j'en ai plein le dos. Courir. Arrêtez là. Je suis désolé, j'ai essayé de reprendre Bioshock 2, mais j'y arrive pas. C'est consternant, c'est de chez consternant. Je suis désolé pour la piètre prestation que je vous fournis, mais autant Bioshock premier était bien, le deuxième. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que trouver la motivation pour terminer ce jeu là, ou je sais pas, ou me perfectionner ou quoi d'autre, mais donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien, mais salut.